Bah, ça n'a pas été facile au début, mais à partir de la troisième course, je commençais à comprendre comment ça marche. Donc là, j'entame ma deuxième saison et c'est super excitant comme course. Il y a énormément de bagarres, le plateau est très relevé et c'est quelque chose complètement différent du sport auto traditionnel, mais c'est la course du futur, donc c'est bien, bien d'y participer en ce moment. Oui, pour moi c'est quand même mieux parce que je suis assez grand, 1m84, donc de changer les voitures c'était toujours un peu stressant parce que je devais me plier en quatre pour sortir et re-rentrer dedans. Donc là c'est plus agréable, c'est l'évolution. Donc on a une batterie, donc une voiture, plus besoin de changer de voiture. Donc. Oui, bon, j'ai quand même pas oublié de re-rentrer dedans tout de suite. Mais c'est sûr que ça aide au niveau des ceintures, etc. Des procédés, ça ressemble un peu. Voilà. Ah, bonne question. Bah, pour l'instant, je suis avec l'équipe Techita et on a un partenariat avec DS. Et puis, quand j'ai quitté Porsche, je suis allé chez Audi. Quand j'ai quitté Audi, je suis allé chez Porsche. Hein. Et eux vont venir en Formule aussi. Donc, il y a deux pistes. On va voir ce qui va se passer dans le futur. Mais Audi, c'est une bonne équipe. Bon, s'ils veulent de nouveau de moi, faut qu'on discute. Mais j'aurai toujours une histoire d'amour avec Audi, évidemment, puisque bon, on a eu des résultats fabuleux dans le passé, 24 heures du Mans. Bon, ça dépend. Les contrats, c'est les mêmes ou... Non, bah c'est difficile à dire comme ça parce que c'est jamais comme fait comme ça dans la vraie vie, mais bah c'est deux bonnes opportunités, je crois que c'est un problème de luxe. Bah pour l'instant, je suis en WEC encore, donc la super saison avec Rébellion. Donc ça va se terminer au Mans 2019. Et on va voir ce qu'offre le futur. Il faudra passer encore une saison avant de voir le nouveau règlement naître. Et j'espère qu'il y aura de nouveaux constructeurs et que ça amènera un peu plus d'action parce que c'est vraiment des belles courses. Les 24 heures du Mans, ça mérite d'avoir des voitures, des marques de prestige comme qu'on l'a eu auparavant. Je pense, oui, parce qu'il fallait changer quelque chose, il fallait s'adapter. Les 24 heures du Mans, ça a toujours été une plateforme pour les constructeurs automobiles de montrer leur efficacité. Donc là, il y aura vraiment un lien direct avec des voitures issues de la série. Bon, c'est des hypercars, mais ça a plus de sens pour un constructeur automobile de faire de l'hypercar que comme on faisait avec de l'MP1. Bon, après, sous le capot, il y avait des technologies vraiment du futur qui avaient beaucoup de relevance, mais là, il y aura les deux. Oui, voilà, on peut s'identifier plus avec le vrai modèle de la voiture. C'est sûr que les LMP1 d'aujourd'hui sont monstrueuses et très impressionnantes et prestigieuses, mais une hypercar, ça va sûrement être très impressionnant aussi. Et l'avantage, c'est que c'est des voitures avec lesquelles on peut comparer les voitures de la route. Je pense que tout le monde y regarde. Pour rouler dans la catégorie reine, ben, il va falloir s'inscrire en hypercar. Et je pense que Rébellion y fait partie. Donc j'espère qu'ils vont avoir un chouette projet parce que bon, c'est quand même mon équipe en ce moment. Donc on va voir. Oui, sûrement. Ben déjà, oui, il y a déjà une vraie présence en fait. C'est impressionnant quand on voit. À la vitesse à laquelle ça a grandi, le nombre de spectateurs impliqués, et je pense que ça fait que grandir. Donc, ça donne vraiment l'opportunité à beaucoup de passionnés de sport automobile, mais du gaming en même temps, de faire une compétition, je veux dire, entre guillemets, qui va devenir professionnel, je pense. Je pense qu'il y a déjà des pilotes qui ont des contrats avec des écuries, j'ai vu. Nous, de notre côté, on fait beaucoup de simulateurs pour préparer la Formule E, et donc on embauche des pilotes de simulateurs pour venir avant pour voir que tout soit en ordre pendant un jour ou deux. Et ce sont très durs à battre. On en a eu un, Enzo Bonito, très réputé, et jamais réussi à le battre. J'ai réussi à faire pareil, mais pas à le battre. Et lui, il faisait qu'une journée, et nous, on faisait 3 jours par après. Donc,
très talentueux au SIMU. Donc, et à la course des champions, il a même au premier tour dégommé Lucas Di Grassi. Donc franchement, ce serait intéressant de voir 2-3 mecs qui percent dans le milieu du sport automobile, vraiment professionnellement. Et ça peut limite changer toute une approche d'évolution de carrière. Moi, j'ai commencé avec le karting, ça a coûté énormément d'argent d'arriver jusqu'en monoplace, et peut-être que, qui sait, s'il y a des structures derrière qui offrent aux meilleurs pilotes de simulateur une carrière par après, peut-être ça fera encore plus grandir, parce que il n'y a pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter un kart et de faire du kart à haut niveau. Une LMP1, ça prend quand même un peu de temps, mais je pense qu'avec en le faisant passer par peut-être un peu de F4 et de la F3, et assez rapidement, peut-être dans l'espace d'une semaine, si on fait ça un peu tous les jours, il peut certainement gérer cette voiture, et avec les notions qu'il a, qui sait, jouer devant. Je pense que c'est faisable. On a vu que dans avec une vraie voiture, il arrive à faire de belles choses. Donc, franchement, avec l'évolution des simulateurs aujourd'hui, ça fait apprendre énormément les techniques de conduite et le spirit de la course, comment placer les voitures, comment s'appliquer. Je travaille. J'ai joué beaucoup avant, quand je suis parti rouler au Japon, j'avais beaucoup de temps libre, je me suis fait un petit simulateur, et bon, à l'époque les jeux c'était pas comme maintenant, mais je passais pas mal de temps à télécharger des mods sur d'autres plateformes de jeux. Il y avait quoi, il y avait GTR ou F1, j'avais des mods avec des groupes C, donc je me suis construit mon propre ordi avec le projecteur, et donc on faisait toutes les journées des battles avec des autres pilotes, donc c'était vraiment cool. Et puis bon, après j'ai commencé à avoir le double programme, donc j'ai plus du tout joué, et on a commencé à avoir les simulateurs professionnels, et depuis que j'ai les simulateurs professionnels, je ne joue plus, parce que je passe énormément de temps dessus, et sinon mon cerveau va cramer. Mais une journée comme aujourd'hui, ça m'a redonné envie de jouer, et j'ai déjà en tête de me faire un petit simulateur dans mon garage ou dans ma cave, parce que peut-être que sur iRacing, il y a moyen de s'amuser et de garder le spirit de la course. Voilà. Oui, je devrais y retourner. J'avais un abonnement il y a 4-5 ans, mais j'ai arrêté. Mais il faudrait que je m'y remette. Mais oui, j'ai vu qu'il y a la R18, il y a la Porsche, il y a énormément de voitures, ou même de voitures mythiques comme l'Audi IMSA GTO. J'ai eu la chance de rouler avec au festival de Speed à Goodwood. Mythique. Et donc, rouler avec ça, avec le son sur un jeu, c'est sympa. Bon, j'ai quand même donné 15 ans là-bas. À un moment donné, j'ai saturé. Et je me suis dit, bon, c'est mieux d'avoir un nouveau challenge, de faire autre chose. Mais c'est sûr que des beaux tours à Suzuka, c'est quelque chose d'incroyable en Super Formula. Les tests hivernaux à Suzuka, ça envoie du lourd. Et il n'y a rien de plus pur et plus rapide dans le sport auto et scotché sur la route que la Super Formula. Donc dans ce sens là ça me manque, mais bon, j'ai pas le temps qu'elle me manque. J'ai tellement de nouveaux challenges, voilà. Difficile, je pense pas. Je pense que ma pige à Spa, c'était le point fort. Après j'ai l'opportunité de pouvoir rouler à Monza et à Abu Dhabi, mais je dis non, ça me suffit une course, parce qu'avec la Caterham je pouvais rien faire de spécial. Voilà, donc. Mais bon, si on m'invite, peut-être que je dis pas non. Bah, très bien, on a même notre hashtag Gendré. Je sais pas si les gens suivent, mais. Mais en tout cas, c'est vraiment une chouette collaboration, parce que il m'a énormément aidé au début en Formule 1 pour apprendre. À vite comprendre la Formule 1, il a énormément d'expérience là-dedans. Et puis on a deux stades différents de notre carrière, il est beaucoup plus jeune, il est vraiment au top de sa carrière. Moi j'essaye de rester au top, mais c'est normalement
y a énormément de rivalité entre les équipiers parce qu'on a la même voiture, mais dans notre cas, c'est pas le problème. On fait vraiment bien évoluer l'équipe ensemble et je ramenais un peu l'esprit d'endurance, de partager la voiture. Donc, non, l'ambiance est bonne. Oui, on touche un peu à tout puisque ça, le calendrier le permet. Et bon, une fois qu'on n'a pas réussi en F1, c'est intéressant de faire de l'endurance, c'est intéressant de faire la Formule E. Il y a beaucoup de pilotes qui font la Formule E et le WEC en même temps. Oui, ça occupe tout l'hiver, ce qui est génial pour tous les passionnés de sport auto, parce que bon, ceux qui sont à la maison et qui attendent, les vrais passionnés, ils ont envie de voir ça tous les week-ends, et je pense que c'est rafraîchissant d'avoir un nouveau championnat comme la Formule 1. Les courses sont très intenses. Après, c'est sûr que c'est complètement différent, les voitures font pas de bruit, sont moins rapides, mais ça offre énormément de spectacles, puisque pas le droit à l'erreur. Dès qu'on quitte un petit peu la trajectoire, la poussière, on se prend le mur, toutes les voitures sont équitables, donc c'est un chouette programme qui se déroule pendant l'hiver, et voilà, les autres saisons commencent normalement, donc je pense que maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a des courses tout le long de l'année, donc tout le temps, donc c'est top. Bah, énormément de choses, comme on est dans un esprit professionnel ou dans un environnement professionnel, c'est important de ressentir ce que fait la voiture pour guider les ingénieurs. Mais le plaisir en soi-même, il est toujours là. Et faire corps avec la voiture, la maîtriser et vraiment faire le virage parfaitement, ça, c'est une belle satisfaction. Donc de maîtriser une voiture à la limite, constamment, tour par tour, c'est une belle satisfaction. C'est pas une peur parce que c'est plus un manque de confiance, et la confiance est très importante en tant que pilote automobile. Ça joue énormément parce que plus on est confiant, plus on est dans le flux, dans le positif. Et c'est sûr qu'au début, si on n'a pas les résultats, et dans un championnat comme la Formule 1, comme moi j'ai débuté l'année passée avec un team privé, on ne pouvait pas faire de test, donc fallait que j'attende un autre week-end de course. Donc c'est sûr que ça ne mettait pas énormément confiance. Et de progresser dans le championnat, c'est difficile. Freiner un mètre plus tard, boum, t'es dans le mur. Donc c'est vraiment étape par étape. Donc c'est un vrai travail. Oui, on a une bonne voiture. On aurait dû avoir de meilleurs résultats. On était premier, deuxième à Riyad avant d'avoir une pénalité puisqu'il y a eu un problème de programmation. On a récupéré un cheveux trop d'énergie pendant une fraction de seconde, mais bon, c'est le règlement. À Marrakech, on a un peu jardiné. Moi, j'ai loupé mes qualifs. Jean-Éric, il a fait une boutade au départ. Ouais, mais avec la performance qu'on avait comme avec la voiture, il aurait dû attendre et puis il l'aurait eu plus tard. Mais bon, c'est comme ça. Et puis là, au Chili, il faisait très chaud et j'ai eu un problème technique. Donc, on va essayer de rattraper tout ça au Mexique. Ben, pour l'instant, la super saison se termine. Il y a encore Sebring, Spa et Le Mans. C'est intéressant d'avoir fait les deux super saisons parce qu'ils veulent mettre les 24 heures du Mans à la fin du championnat puisque ça compte pour double. Et oui, j'aimerais bien rester en WEC parce que c'est quand même. Je suis à la maison là-bas. Il y a Sebring et Sebring. Le championnat américain IMSA, c'est les vrais Sebring, et nous on fait les Sebring du WEC, donc c'est sûr que l'endroit est mythique et magnifique. Très positif puisque c'est encore un autre pas en avant pour la sécurité, ça ne nous dérange pas du tout. Après c'est sûr qu'on voit un peu moins le casque du pilote, c'est un effet esthétique apprécié ou pas apprécié. Moi il ne me dérange pas du tout, et sur la Formule 1 il passe très bien, on a intégré les lumières pour indiquer qu'on est en mode d'attaque. Donc on a déjà vu beaucoup d'accidents depuis que le halo est né qui ont quand même protégé la tête du pilote, et c'était quelque chose que franchement on aurait pu limite y penser beaucoup plus tôt. Voilà. Alonso, j'ai déjà couru contre lui quand j'avais 13 ans en karting. Il a fini 3ème, j'ai gagné. Mais bon, il y a des courses où lui, il a gagné et moi pas. Donc, je ne veux pas. Voilà.
Non, c'est bien d'avoir un pilote comme lui en WEC, il fait du très bon boulot, mais bon, c'est dommage qu'il n'ait pas venu plus tôt parce que on avait vraiment des belles bagarres entre Audi, Porsche, Toyota, c'était vraiment des belles années, et là, ils se bagarrent entre les deux voitures Toyota. Nous, on peut vraiment rien faire en course. En qualif, on peut faire un peu joujou avec la Rébellion, mais en qualif, il n'y a aucune rivalité avec eux. En course, pardon. Donc, mais bon, ça apporte beaucoup de notoriété au championnat et on va voir s'il continue. Mais on a espéré qu'au début, que ça allait être équitable. Qu'il avait un moyen de trouver un moyen pour rendre ça équitable, mais c'était impossible. Mais moi, je l'ai dit dès le début que ça allait être difficile parce que je connais très bien les bolides, et avec le 4 roues motrices, l'hybride en trafic, c'est juste imbattable. Donc malgré que la CO et la FIA, ils ont beaucoup essayé d'équilibrer les performances, ça n'a pas fonctionné, et c'est toujours une bataille infinie d'essayer d'équilibrer des concepts différents. Donc c'est un peu frustrant pour nous, même pour eux peut-être, parce qu'eux on leur enlève de la puissance, nous on en met, mais bon ça le fait toujours pas. Donc on est un peu passager du système dans ce cas-là, mais c'est comme ça, ça a toujours été difficile. Envie de participer au Dakar, oui, quand même. J'aime beaucoup le hors-piste, enfin le off-road, on va dire. J'ai un buggy que j'ai préparé avec lequel je m'amuse. Je sais pas si les gens qui me suivent, de temps en temps, je poste sur mes réseaux sociaux, pas tellement, parce que bon, je fais pas toujours des trucs Lego. Mais bon, je fais ça en toute sécurité, voilà. Non, j'aimerais bien. Et maintenant, il y a cette nouvelle catégorie SSV avec les buggy. Donc je pourrais imaginer transformer mon buggy et m'aventurer au Dakar. Mais bon, ça serait une fois que j'aurais terminé ma carrière de pilote, de pistard. Mais après, c'est une question de partenaire aussi. Hein. Mettre ça de sa poche, je sais pas, il faut quand même quelques. C'est une expérience que j'aimerais bien faire ou partager avec mon ex-équipier Benoît Trélué, qui aimerait bien aussi faire le Dakar. Donc on est assez bricoleurs, on est voisins et voilà, pourquoi pas. Il me fait confiance au volant, donc moi j'aimerais pas être passager par contre. Mais c'est une bonne question parce que c'est un peu au jus de l'action, on va dire. C'est de l'avenir. Le sport auto va toujours exister dans plusieurs formes. On voit que le classique se développe énormément avec des belles voitures. Le sport auto d'aujourd'hui a sa place. Le sport électrique aussi, je pense que ça va grandir. De plus en plus, puisque les constructeurs, les gouvernements, tout va dans la direction de l'électrique. Donc qu'on le veuille ou non, ça, c'est la direction dans les prochaines 10, 15, 20 ans. Et ce sera le futur pour les constructeurs, puisque c'est la plateforme. Donc après, ce qui se passera avec le sport auto traditionnel, ça reste à voir. Mais c'est sûr que c'est une direction qui est en train de se passer. Et en parallèle, les moteurs électriques vont devenir de plus en plus puissants, les batteries moins encombrantes, donc il y a énormément de potentiel là-dedans. Mais là, c'est un grand challenge. Je pense qu'on voit loin dans le futur, puisque c'est quand même de longues distances. Et il y a encore pas mal de progrès à faire au niveau autonomie en batterie, parce que c'est dans le sable, ça y est, ça consomme pas mal d'énergie. Donc pourquoi pas, je suis toujours sous contrat Porsche, donc faut voir s'ils ont une place, une équipe. À un moment donné, j'étais chaud pour me battre pour la victoire pendant quelques années avec Audi et surtout l'équipe de mon ami Vincent, WRT. Mais je me suis un peu distancé de la course parce que je voulais me concentrer sur mes projets. Mais ça reste dans
dans mon arrière-tête, dans un coin, voilà. Voilà, prochaine course Formule 1 dans 2 semaines à Mexico City. C'est assez facile à suivre sur l'application de la FE ou sur, ça passe sur beaucoup de chaînes à la télé ou sur mes petits réseaux sociaux à moi, Instagram, voilà. OE Spectrum, take control.